Elohim, mot hébreu, pluriel de El ou Eloah. C'est dire que cette histoire du monothéisme peut être mise en doute et qu'en fait, on parle de Dieu au pluriel et de Dieu créateur, puisque El détermine la puissance. Donc, on voyait la nuit une colonne de feu et le jour une colonne de nuée. Est-ce que ces deux colonnes étaient différentes? Il semble que non. C'est deux apparences d'un même objet. Et c'est dans cet objet que vivait la divinité à ce moment-là, telle que décrite. Alors il se pourrait que ces colonnes, pour les personnes qui fréquentent la franc-maçonnerie, soient l'une Jacquin et l'autre Boaz, parce qu'en réalité, il s'agit d'un seul être sous deux apparences. Le feu, c'est ce qu'il y a de plus visible, la nuée, c'est ce qui cache le mieux. Mais on peut se cacher très bien dans le feu aussi, derrière la lumière. Vous avez remarqué dans la photo précédente, dans l'image précédente, que cette chose-là qu'on appelait le tabernacle, qu'on a appelé ultérieurement le palais de Salomon, etc., c'était le lieu d'accueil de cette chose, c'était donc bien physique. Donc je vais reprendre la terminologie, Yahvé marchait au-devant d'eux, les Hébreux, le jour en colonne de nuée pour les guider sur la route, et la nuit en colonne de feu pour les éclairer. Il s'agit bien de lire. Il est bien écrit le jour en colonne de nuée pour les guider sur la route. Sous-entendu, il y a une trajectoire, un itinéraire. Et cette chose-là est précieuse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui guide avec intelligence vers un objectif. Rien que cette manière de voir peut vous emmener très loin dans la révélation. On continue. Tout le peuple voyait les tonnerres et les éclairs et le son du corps et la montagne fumante. Il s'agit bien d'un être physique qui a des relations avec l'environnement et toutes ces choses-là. Quant à Moïse, il s'approcha de la sombre masse nuageuse où était le vrai Dieu. Alors, Jéhovah descendit dans la nuée. Donc il y a un être qui s'appelle Yahvé ou Jéhovah, ou ce que l'on veut, qui descend dans cette nuée. Puis Yahvé referma la porte derrière lui. Donc si vous ne faites pas attention à ces textes tels qu'ils ont été écrits, ça ne sert à rien de lire ou de ne pas lire la Bible, puisque ça revient au même. Donc quand on ferme la porte de quelque chose, c'est que cette porte est un habitacle, quelque chose qui contient. Moïse parlait à Yahvé face à face. Il a affaire à un individu, à un être vivant qui a une face et qui peut être humanoïde comme lui. Et donc il est dit « comme parle un homme à son prochain ». Et en effet, dans un fascicule édité par la Mission française de Paris pour les Mormons, autre particule si je puis dire religieuse, et au chapitre « Dieu et l'homme », il a été écrit « Dieu à la forme d'un homme, c'est un personnage réel, c'est un être vivant avec une forme et une personnalité distincte. » Vous voyez que les opinions dans ce domaine sont particulières. Maintenant, entrons dans l'histoire plutôt, sortons de la légende. Le soir du 6 avril 1836, lors de l'inauguration du premier temple mormon à Kirtland, près de Cincinnati, dans l'Ohio, c'est là où nous a emmené tout à l'heure Gildas, c'est-à-dire à la base de Wright-Patterson. Wright-Patterson, là où seraient justement ces petits êtres ridicules qui nous font tant suer. Donc, les habitants du quartier aperçurent, au-dessus du nouvel édifice, une immense colonne de feu. Effrayés, croyant à un incendie, ils accoururent, mais ne trouvèrent que la troupe des fidèles en extase qui, revenus à eux, racontèrent qu'ils avaient été visités par des anges. Notons que le mot agelos, en grec, qu'on traduit par ange, c'est messager en réalité. Donc toutes ces choses trahissent en quelque sorte l'idée originelle qu'on a affaire à des êtres humanoïdes, des êtres pensants, mais pourvus et dotés de capacités supplémentaires. Des capacités non seulement technologiques, comme on a vu dans la colonne de feu, mais probablement psychiques. Et la possibilité en quelque sorte de transcender notre environnement. On continue cette lecture. On nous promet, vous serez comme des Elohim, c'est-à-dire tôt ou tard, on va devenir comme ces messagers, comme ces êtres très puissants. Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Déjà à cette époque, des hommes, des êtres humains de la terre, devenaient comme ceci, avec un savoir et une puissance. On dit, il advint que les fils d'Elohim, donc c'est vraiment un être vivant qui non seulement vit, parle, se comporte comme un humain, mais procrée comme un humain. Et il est dit aussi, qui sacrifiera aux Elohim, au pluriel, hormis le seul Yahvé ou Jéhovah, sera voué au Hirem. C'est-à-dire, il y en a un à qui l'on doit le respect, on doit l'inclination de son être, mais pas les autres. Celui-là, il est particulier. On continue. Lorsque donc ces Elohim me firent errer loin de la maison de mon père. Donc ces gens-là aussi sont un peu malicieux, ils ne sont pas moralement très corrects. On perd les gens dans les chemins, etc. Alors la curiosité, c'est un peuple ne s'adresse-t-il pas à ses Elohim,
Nous sommes dans un contexte dit monolâtre, avec un seul Dieu, monothéiste, etc. Mais bon, ces Elohim, ce sont ceux qui ont créé le ciel et la terre au début de la Bible, mais on continue à dire, tiens, ils nous font errer, et on s'adresse à eux, pas à lui, mais à eux. L'aspect du quatrième, entre parenthèses, Elohim, ressemble à celui d'un des fils des Elohim. Donc les Elohim ont des enfants, ils ont une apparence simili-terrestre, puisqu'on peut se tromper à leur approche. Toutes ces choses sont à considérer. Oui, il y a des Elohim qui jugent sur la terre, donc ils sont là pour juger, pour apprécier, etc. Et quant à Yahvé, il est dit que tous les fils des Elohim l'acclamaient. Là, on est vraiment dans un contexte politique, littéralement. On continue avec, c'est Jacob qui parle, hein, « Les Elohim sont venus en ce lieu, et je ne le savais pas. » On ne peut pas tout savoir. Donc, ce lieu, il n'est autre que la maison des Elohim et la porte des cieux. Déjà, l'orientation se fait. Si on voulait considérer qu'on avait affaire à des dieux terrestres, là, c'est un peu loupé, parce que c'est la porte des cieux. Si on dit de la divinité qu'elle vient du ciel, ben, qu'elle y reste, elle est bien chez elle. Mais là, les Elohim, au pluriel, sont dans un lieu où on accède au ciel. Alors ça continue, puisqu'on a une unité, si je puis dire, de substance dans ces êtres, mais il y en a un qui les dépasse. Il advint un jour que les fils des Elohim vinrent se présenter devant Yahvé, et Satan était parmi eux. La traduction de Satan, c'est celui qui divise, celui qui a une opinion autre. Voilà. Donc c'est un adversaire aussi. Jéhovah. Qu'est-ce que c'est l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur aux Elohim. Là, il y a une échelle de valeur qui est proposée. On est de très peu inférieur à ces personnes-là. Que ce soit du point de vue moral, c'est douteux. Que ce soit du point de vue technologique, c'est très probable. Du point de vue psychique, encore plus probable. Or, pour vous dire que moralement c'est un peu douteux, il advint que durant le voyage, dans une hôtellerie, Yahvé l'aborda et chercha à le faire mourir. Donc en fait, la créature humaine peut être réduite à zéro, à néant, par le fait qu'on cherche à la faire mourir. Déjà, ça peut constituer une gêne pour le culte chrétien, catholique, universel, donc, etc. Mais c'est surtout le questionnement qui m'intéresse. Et on revient à cette nuée. Et il est dit de la divinité en général que les nuages sont pour lui, il y avait une cachette, et il se promène sur la voûte du ciel. Là, aucun doute. Voici que le Seigneur, monté sur un nuage rapide, vient en Égypte. Donc il se déplace avec son nuage, qu'il fasse beau temps ou pas, c'est le même problème qui se voit. Oui, il charge d'humidité le nuage. Sa lumière disperse la masse nuageuse et elle tournoie en cercle quand il la dirige pour son action et lui fait produire ses effets. C'est un nuage très particulier donc. Et quand il a fait rayonner la lumière de son nuage, c'est eu quelque chose des suspensions en équilibre du nuage, œuvre prodigieuse de celui qui est parfait en connaissance. Donc en fait, le décalage hiérarchique tient à une connaissance. Et cette connaissance, à part, paraît plutôt technologique qu'autre chose. Peux-tu marteler avec lui les cieux nuageux, durs comme un miroir de métal fondu? Là, on s'approche de quelque chose, le métal dont il était question tout à l'heure dans l'affaire de Roswell, entre autres. Et les observations continuent. Quand le soleil fut couché et qu'il fut très sombre, voici qu'un réchaud fumant et une torche de feu passèrent. Autant dire que c'est la description à l'époque, le réchaud fumant, de quelque chose en feu et la torche de feu aussi. Mais la torche, c'est plus long. C'est-à-dire, on a la forme d'un réchaud qui est cylindrique et de l'autre côté, on a quelque chose qui est plutôt longiligne. Le prophète Zacharie a rapporté quelques visions étonnantes, dont la sixième et la septième, donc je vous conseille d'aller voir dans vos Bibles. Donc Zacharie dit, « Je levai de nouveau les yeux et j'eus une vision. » C'était un rouleau qui volait. Là, on est passé de la torche au réchaud au rouleau, puisqu'un rouleau, c'est oblong. Et l'ange me dit, donc il était avec un Elohim, « Que vois-tu ? » J'ai répondu, « Je vois un rouleau qui vole, long de 20 coudées et large de 10, c'est-à-dire environ 10 mètres de long sur 5 de large. C'est petit, c'est maniable, c'est comme le 4x4 de Gilbert, à peu de choses près. » L'ange qui me parlait s'avança et me dit, « Lève donc les yeux et regarde ce qui s'avance là. » Je demandais, qu'est-ce que cela représente? Il répondit, c'est là un boisseau qui s'avance. Un boisseau, cette fois-ci, c'est circulaire. C'est une mesure de grain, etc. On l'utilise encore dans nos campagnes. Je demandais, donc, que cela représente? Il répondit, c'est là un boisseau qui s'avance. Ensuite, il ajouta, c'est leur œil dans tout le pays. Donc, il semblerait que ce soit un élément d'observation de ce qui se passe sur notre terre. Et voici qu'un disque de plomb se souleva. Une femme était installée à l'intérieur du boisseau.
Si vous connaissez l'affaire Adamski, lui, il décrivait plutôt des êtres humains mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou plutôt les deux, avec les cheveux longs, l'air un peu efféminé, etc. Donc toutes ces choses sont à synthétiser. Continuons cette lecture biblique. Et il advint, durant la veille du matin, que de l'intérieur de la colonne de feu et de nuée, donc là la liaison est faite objectivement, Jéhovah se mit à regarder le camp des Égyptiens. Et il jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Donc il a une action sur les humains et il a une volonté. Toutes ces choses sont là pour discerner le comportement civil humain et donc à proximité de notre race à nous. Il dit « Frayez dans ce désert la piste de Yahvé, tracez dans la steppe une chaussée pour notre aile. Ceux qui sont allés au Pérou, sur la côte ouest du Pérou, ont peut-être visité les fameuses pistes de Nazca. Mais en fait, on en trouve jusque dans le désert de Gobi. Ces pistes semblent être destinées, peut-être de manière analogique de nos jours, à faire que ces vaisseaux-là, puisqu'il s'agit bien de cela en réalité, qui d'habitude se cantonnent au sommet des montagnes, puissent atterrir directement sur notre de plein pied, si je puis dire.